Bonsoir, s'il vous plaît, Stéphane est en direct. Si vous voulez suivre Stéphane, vous allez chez Stéphane. Si vous voulez suivre le professeur Nyamsi, vous y allez. Si vous voulez suivre Nassim Dassault, vous y allez. Ça ne tient à rien de venir m'écrire Stéphane, ma chaîne, Je n'interdis à personne de faire un direct. Et je ne fais pas le direct par rapport à X ou à Y. J'ai annoncé depuis il y a quelques jours que je serai en direct aujourd'hui à partir de 13h30. Je l'ai annoncé. Alors, si vous voulez aller chez Stéphane, allez-y. Je ne vous en empêche pas. C'est le même message. Ne venez pas, ne venez pas nous faire des leçons chaque fois qu'elle en direct. Vous ne me voyez pas faire les directs au même temps que les autres le plus souvent. J'ai annoncé mon direct. Et toutes les personnes qui vont encore écrire Stéphane en direct seront bloquées. Ça, je vous le dis d'avance. Toutes les personnes qui vont m'écrire Nassis, Gassop et en direct seront bloquées. Je vous le dis d'avance. Celui qui veut y aller, il va tranquillement. Personne n'oblige personne à avoir dit téléphone ou à se départager. Soyez un peu sérieux, s'il vous plaît. Soyons un peu sérieux. Il a un message à passer. Vous voulez l'écouter, allez l'écouter. Vous voulez écouter X, allez écouter X. Arrêtez de toujours faire la leçon aux gens, tel est en direct, tel est en direct, tel est en direct. J'ai annoncé que je serai en direct depuis, c'est pas aujourd'hui, je l'ai fait. Il faut qu'on arrête un peu ça. Vous voulez cogner la tête quoi Stéphane en direct, c'est la première fois qu'il est en direct ou une autre personne en direct. Bah, il, il passe un message, allez sur le message. Il faut qu'on arrête un peu. C'est toujours, toujours vous qui, qui, qui se met la zinzanie avec les gens. Faut qu'il faut arrêter un peu un moment. On veut changer quelque chose et on a encore les mêmes trucs qu'on reproche aux autres. Et je... Et je... Pour le compliment. Camerounais, c'est de l'aide. Ah oui à Pumlo. Bonsoir, bonsoir à tout le monde et merci d'être là, merci de m'écouter, merci de me prêter une oreille attentive aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, je fais ce direct parce que je suis en colère. Nous sommes en colère chaque jour, hein, c'est pas seulement aujourd'hui que je suis en colère. Nous sommes en colère chaque jour. Mais, frère camerounais, il est temps que nous prenions nos responsabilités. Nous de la diaspora, nous prenons nos responsabilités. Et surtout vous du Cameroun, prenez vos responsabilités. Euh, je ne suis pas commentateur. Je ne vais pas venir commenter les choses qui se disent à gauche, à droite. Je ne vais pas venir commenter la vie, la mort, la résurrection de qui que ce soit. Parce que cette vie, cette résurrection ou cette mort ne change pas les choses au Cameroun. Ça ne change rien du tout au Cameroun. On va commenter sur ce que l'ambassadeur de la France fait au Cameroun. Ça ne changera rien. Ça ne va rester que des commentaires. On va commenter sur la résurrection présumée la mort de Bia. Ça ne change rien. Ça ne va rester que des commentaires. On va faire des analyses sémiotiques. On va faire des analyses politiques. On va faire des analyses géopolitiques. Ça ne changera rien. Ce ne seraient que des analyses qui vont rester dans Facebook, qui vont rester sur Facebook, qui vont rester là. Et il est temps de dire la vérité aux Camerounais. Et aujourd'hui, déjà, j'appelle tous ceux qui font des lives, tous ceux qui font des directs, de dire la vérité et rien que la vérité aux Camerounais. Arrêtons de tourner autour du pot. Arrêtons de nous donner les ailes que nous n'avons pas. Arrêtons de nous donner les grades et les galons que nous n'avons pas. Arrêtons de nous faire prendre, de, 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 de croire que nous sommes des Superman, que nous sommes des James Bond, que, que nous sommes des Batman, je ne sais pas quoi. Nous ne sommes pas des super-héros. Nous sommes juste des hommes soucieux d'un Cameroun nouveau. Arrêtons chaque fois de venir analyser, de venir décortiquer, de venir dire X, Y. Ça ne change rien. Le Camerounais aime écouter les paroles crues. Et il faut dire la vérité aux Camerounais. Mes chers Camerounais, mes chers frères Camerounais, la diaspora ne peut rien pour le Cameroun. Nous avons essayé et nous essayerons toujours de faire ce que nous pouvons. Tant que les Camerounais, tant que vous au Cameroun, vous au 237, vous n'allez pas vous lever, croyez-moi, Bia ça, ou ça clique ou son système vont se retrouver au Cameroun, même après 25 ans de plus. C'est à vous de prendre vos responsabilités. On va beau venir vous dire la France est ceci, la France est montée, la France est descendue. La France n'a aucune force devant le peuple camerounais et la France ne peut avoir aucune force devant le peuple camerounais. Il faut qu'on le sache. La France n'aura aucune force et ne peut avoir aucune force devant le peuple camerounais. Je demande à tous les, les, les journalistes de, de la toile, je demande à tous les analystes politiques de la toile, je demande à tous ceux qui viennent décortiquer, à tous ceux qui viennent, comment je vais dire ça, séquencer ce que X ou Y a dit, d'arrêter cela. Il faut qu'on dise la vérité aux camerounais. Disons la vérité aux camerounais. Attends, déjà, je. S'il n'y a pas quelqu'un pour vous bloquer, je vous bloque déjà pour commencer. Voilà. Disons la vérité aux Camerounais, c'est aux Camerounais et rien qu'aux Camerounais de se libérer de ce fardeau. Ce n'est pas à deux personnes. Nous de la diaspora, nous avons entrepris certaines choses. Nous avons dit que nous ferons certaines choses et nous les avons faites. Ces choses-là. On a fait ce qu'on a dit. On a empêché Bias. Ça fait un an aujourd'hui depuis qu'il a été chassé de de, de de, de Genève. Ça fait un an aujourd'hui que Bia n'est plus venu se faire soigner en Europe. Ça fait un an qu'il est resté au Cameroun. Bientôt, ça fera un an au mois de juin. C'est les actions sur le terrain qui ont permis cela. Bia n'est plus recevable dans la diaspora. Nulle part, aucun président ne veut même plus le recevoir. C'est parce que nous avons posé des actions. Et si vous voulez chasser Bia au Cameroun, vous devez poser des actions claires et nettes. J'aurais dû commencer ce direct aujourd'hui en parlant de Sébastien Ebala. Ce qui arrive à Sébastien Ebala, c'est la lâcheté des Camerounais. Oui. Ce qui arrive à Sébastien Ebala, c'est la lâcheté des Camerounais. Si les Camerounais étaient soucieux, un temps soit peu, si les Camerounais étaient soucieux de ce qui leur arrive, Sébastien Ebala ne serait pas arrêté. Et on parle de des personnes qui sont dans la diaspora, qui viennent tout le temps dire que le Cameroun est un état de gloire. Dans un état de gloire, on arrête quelqu'un et on le torture de cette manière. Non. Je tiens ici à, à saluer le courage et la détermination de Sébastien Ebala. Sébastien Ebala se savait craquer. Sébastien Ebala savait qu'il allait être arrêté d'un moment à l'autre. Malgré tout, il n'a pas baissé les bras. Il n'a pas baissé les bras parce qu'il est un guerrier. Il n'a pas baissé les bras parce qu'il porte le Cameroun dans son cœur. Il n'a pas baissé les bras parce qu'il aime le Cameroun. Sébastien Ebala aurait pu accepter les pots de vin qu'on lui proposait. Sébastien Ebala aurait pu retourner sa veste. Mais il est resté gloire, constant. Il est resté euh, euh, muré dans ses convictions. Et. Je suis de tout cœur avec Sébastien Ebala, comme toute la diaspora, comme tous les combattants. J'appelle à, excusez-moi, aujourd'hui je vais bloquer les gens. Généralement les gens disent que Calibri bloque, je ne bloque pas. Aujourd'hui je vais bloquer les, tous les commentaires que je verrai les mauvais commentaires, je vais les bloquer. J'appelle à la libération de Sébastien Ebala. Nous, la brigade anti sardina, nous exigeons la libération de Sébastien Bala. Déjà, le message que je vais envoyer à Banqui, c'est que Banqui va être traqué dans la diaspora, principalement en France. Moi, je parle pour la France. Monsieur Banqui, vous allez être traqué. Si vous êtes un homme à couilles, si vous avez des couilles, quand vous venez là, dites-nous que vous venez et dites-nous où vous allez être. Et nous, nous allons vous montrer comment est-ce qu'on vit dans un pays démocratique. Nous allons vous montrer comment est-ce qu'on vit dans un pays de joie. Monsieur Banqui Émile, nous vous attendons de pied fer dans la diaspora. Vous êtes peut-être fort au Cameroun parce que le Cameroun c'est un état bananier, c'est un état où il n'y a pas de droit, c'est un état où chacun peut faire ce qu'il veut. Déjà, n'oubliez pas que Banqui a tué quelqu'un, mais il n'a pas, il n'a jamais été en prison. Il a juste été gardé au sein pour quelque temps et relâché, puis promu. Monsieur Banqui, nous allons vous apprendre à respecter les Camerounais. Ce ne serait pas de l'enfarinage. Nous allons aller au-delà de l'enfarinage. Ça, je peux vous promettre ça. Nous allons aller au-delà de l'enfarinage. Je vous dis aujourd'hui que vous êtes personne à non grata dans la diaspora. Peut-être pour arriver si prochainement vous allez vous cacher. Vous allez être obligé de vous cacher comme, euh, comme d'autres personnes sont cachées. Mes frères, l'heure est, est très grave. L'heure est très grave. Il faut que nous disions exactement la vérité aux Camerounais. La diaspora ne peut pas à elle seule porter le fardeau de la République du Cameroun. Non. La diaspora à elle seule ne peut pas, je dis bien, la diaspora ne peut pas porter à elle seule le fardeau de la République du Cameroun. Nous sommes 26 millions de Camerounais. Et chaque Camerounais doit jouer sa partition. Chaque Camerounais doit jouer sa partition. Vous n'allez pas demander aux hommes et aux femmes de la diaspora de tout sacrifier. Ces hommes et ces femmes ont déjà sacrifié leur vie. Parce que ces hommes et ces femmes sont obligés de travailler 4, 5, 6, 7 boulots. Parfois, je sais pas combien de boulots ils font, mais ils travaillent énormément. Ils ont délaissé complètement leur famille pour pouvoir s'occuper de l'or au Cameroun. Ils ont tout fait pour pouvoir s'occuper de l'heure au Cameroun. Ils ont laissé leur boulot pour marcher. Ils ont laissé leur boulot pour aller à Genève. Ils ont laissé leur boulot pour contester partout dans les rues de Paris, de Washington, partout dans le monde. La diaspora a ses limites. Et 80%, voire 90% ou même 70% du travail qu'il y a à faire, c'est à vous, les Camerounais. Ce n'est pas à la diaspora. Non, vous ne pouvez pas nous laisser seuls avec cela. On ne peut pas, on ne peut pas arriver et on n'y arrivera pas. Décidez-vous, indignez-vous. C'est dans la rue et nulle part ailleurs. C'est dans la rue et nulle part ailleurs. Ce régime est un régime tyrannique. Ce régime est un régime dictatorial. Ce régime est un régime qui ne va désigner sur aucun moyen. Pour sa survie et pour perdurer au pouvoir. Ils ne vont désigner sur aucun moyen. Arrêtez de penser que pour chasser Paul Biya, il faut absolument, absolument euh, se retrouver à Yaoundé. Non. Pour chasser Paul Biya, il ne faut pas seulement se retrouver à Yaoundé. Oui, Yaoundé, c'est l'épicentre. Mais pour chasser Ben Ali, on n'a pas eu besoin d'être à Tunis. Non. Ça a commencé à Sidi Bouzid. Ça n'a pas commencé à Tunis. C'est parti de Sidi Boisi pour chasser Ben Ali. Pour euh, euh, la chute de l'empereur, je vais l'appeler ainsi, l'empereur euh, algérien. Ce n'est pas parti d'Alger. Non, c'est parti de la Kabylie. Alors pour chasser Bia, on n'a pas forcément besoin d'attendre qu'on se retrouve à Yaoundé. Combien de Camerounais, combien de milliers de Camerounais vont se retrouver à Yaoundé Non. À Douala, on peut commencer. À Bafoussam, on peut commencer. À, à Tchang, on peut commencer. À Ebolova, on peut commencer. en Ngaoundere, à Garoua, à Maroua, on peut commencer. Mes frères camerounais, qu'est-ce que vous attendez Vous attendez la France Vous attendez venir critiquer la France, venir dire le colon Il faut, c'est à nous de couper le cordon ombilical qui lit le Cameroun et la France. C'est à nous, camerounais, de couper ce cordon ombilical qui lit, euh, 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 comment je vais dire, l'oligarchie française. Et le système dictatorial de Bia, ce n'est pas des théories. Les gens vont beau vous expliquer, la France fait ceci, la France fait cela, la France fait ceci, la France se sucre. Dites-moi un peu, comment vous pouvez donner du, du, du lait à un enfant? Vous donnez le lait à un enfant et vous lui dites dépose le lait. Pourtant l'enfant le, a déjà pris goût à ce lait là. Comment? Non. Pour demander à un enfant de laisser le lait, il faut arracher ce lait là. Et il faut que nous arrachions notre liberté à la France. Ce n'est pas les discours qui vont arracher cette liberté. Ce n'est pas en, en, en bavardant sur Facebook que nous allons arracher cette liberté. C'est en posant des actes et des actes concrets. Et des actes concrets autant pour moi. Le Cameroun traverse une période très difficile. Et si nous échouons, croyez-moi, nous allons encore vivre avec le même système pendant plus de 50 ans. Si nous échouons maintenant, nous allons encore vivre avec ce système pendant plus de 50 ans. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous battre. Nous n'avons pas d'autre choix que de prendre nos responsabilités. Et en parlant de responsabilités, je vais m'adresser à ces hommes politiques camerounais qui sont tous des corrompus pour la plupart. S'ils ne sont pas des corrompus, ils sont des peureux. Pour la plupart. Comment pouvez-vous vous appeler opposition, sans jamais vous opposer à un système par excellence, ou bien euh, euh, quand on parle qui, quand on parle normalement quand on dit opposition, l'opposition doit toujours s'opposer à un système, doit toujours s'opposer à, à ceux qui sont au pouvoir. C'est ça l'opposition. Un, un opposant ne doit jamais faire copain copine avec, euh, avec celui qui est au pouvoir. Comment est-ce que cette opposition camerounaise ne peut pas prendre conscience de la souffrance du peuple camerounais. Comment Je, je, je suis complètement écœuré. J'ai mal dans ma chair quand je vois un opposant tirer sur un autre opposant. Ça fait mal. Je me demande si on est opposant de l'opposition ou si on est opposant d'un système. les politiques camerounais, les politiciens camerounais ne feront rien pour le cameroun rien chaque homme qui va lever sa tête qui va dénoncer bia va recevoir une mallette l'homme qu'on acclame aujourd'hui demain c'est cet homme que nous allons huer demain c'est cet homme que nous allons huer tout simplement parce qu'il a reçu sa mallette parce qu'il a reçu son argent et il se dit qu'est-ce que j'ai à foutre avec ce peuple qui pleure moi j'ai déjà mon argent et ce peuple croise des bras et attend un homme providentiel. Aucun homme providentiel ne tombera du ciel. Aucun homme providentiel ne tombera du ciel. Les Soudanais n'ont pas attendu un homme providentiel pour se mettre dans la rue. Et je vous dis que les Soudanais se sont mis dans la rue pour quelques francs qu'on a augmentés sur le pain. Parce que le pain était cher. Les Algériens n'ont pas attendu un homme providentiel pour se mettre dans la rue. Les Algériens se sont mis dans la rue parce qu'ils avaient marre d'un système. Et nous, au Cameroun, qu'est-ce qu'on attend On attend que M. Camto vienne lire un discours où il dit Camerounais, Camerounaises, sortez dans la rue demain. C'est ça qu'on attend. On n'aura pas ça. On n'aura pas ce Kamto qui viendra dire Camerounais, Camerounaises, sortez dans la rue demain. Ça ne serait pas possible. Alors, c'est aux Camerounais de prendre nos responsabilités. C'est aux Camerounais de prendre leurs responsabilités. Si vous attendez, et je vous le dis, je vous mets au défi, si vous attendez que la diaspora met un avion, charge les Camerounais à l'intérieur pour venir manifester à votre place, vous n'aurez pas ça. Ça ne se fera pas. Et ceux qui vous disent qu'ils le feront, ne le feront pas. J'assume ce que je dis, je le prends sur moi, je l'assume. Ils ne le feront pas. Et ceux qui iront manifester au Cameroun ne viendront jamais vous dire qu'ils prendront l'avion pour venir au Cameroun. Vous savez il y a une Camerounaise qui vit en France. Elle s'appelle Laure. Quand elle est allée manifester au Cameroun, elle n'a dit à personne qu'elle allait manifester au Cameroun. Elle a pris son vol, elle est partie au Cameroun, elle a manifesté, elle s'est fait arrêter, elle a été en Condingui, elle a passé neuf mois à Condingui. Comme tout le monde. Elle est quittée de la diaspora. Elle n'a jamais, mais jamais, en aucun moment, fait un tam-tam sur la toile pour dire que je vais marcher au Cameroun, je vais manifester au Cameroun. Elle ne l'a jamais fait. Jamais. Elle a pris son vol, et elle est partie au Cameroun. Ceux qui vont vouloir venir manifester au Cameroun ne viendront jamais vous dire qu'on va prendre un vol, on va venir au Cameroun, venez appeler nous. Ils ne diront jamais cela. Ils ne diront jamais cela. Ils prendront leur vol. Si vous voulez aller marcher au Cameroun, je vous en prie, faites comme l'or. Prenez votre, votre billet d'avion, allez au Cameroun et marchez. Mais ne nous demandez pas, ne me demandez pas à moi, Calibri, je ne viendrai jamais marcher au Cameroun. Et il n'y a pas plusieurs personnes à la diaspora qui viendront marcher au Cameroun. Je ne viendrai jamais marcher au Cameroun. Enlevez ça dans votre tête. Je dis et je répète, ne comptez jamais sur Calibri pour venir faire une marche au Cameroun. Bon, ceux qui vont écrire là que viens aussi marcher au Cameroun, je vous réponds d'avance, je ne viendrai jamais marcher au Cameroun. Jamais enlevez ça dans vos têtes. En aucun jour, je ne rêve même pas venir marcher au Cameroun. En aucun jour, c'est à vous au Cameroun de vous lever. C'est à vous au Cameroun de vous indigner. Moi ici, quand je suis malade, je me fais soigner. Quand j'ai faim, je peux aller au resto du cœur, je mange. Je dormirai si je n'ai pas où dormir. J'appellerai le 115, le samu, je vais dormir. Si je n'ai rien, j'appellerai et on va me prouver où je vais avoir quelque chose. Bon, ici, je vis mieux. Je ne viendrai jamais marcher au Cameroun. Ça, enlevez ça dans vos têtes. Ça ne va jamais se passer. Et je conseille à personne de la diaspora d'aller marcher au Cameroun. Je dis, je ne conseille à personne de la diaspora d'aller marcher au Cameroun. C'est vous qui souffrez. C'est vous qui êtes dans la misère. Nous nous indignons parce que c'est notre pays, parce que nous aimons notre pays. Nous, nous avons tout sacrifié parce que nous aimons notre pays. Ne nous demandez pas de venir marcher à votre place. Même si toute la diaspora, imaginez-vous qu'on mettait deux avions, de mille personnes, ça, ça changerait quoi? Ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Tant que vous, le peuple camerounais, vous n'allez pas vous lever, vous n'allez pas vous indigner. Alors rien ne changera au Cameroun. On viendra vous faire des discours sur la France qui a tout pris au Cameroun. On viendra vous faire des discours sur les Américains qui ont tout pris au Cameroun. Ça ne changera absolument rien. Rien du tout. C'est à vous et rien qu'à vous de prendre vos responsabilités. Je dis, hein. À toutes les personnes qui font les lives arrêtez de faire les lives pour expliquer comment la France pille au Cameroun la France pille au Cameroun depuis 1960 la France pille au Cameroun avant les années 60 avant les indépendances la France continuera à piller le Cameroun tant que nous allons seulement expliquer que la France pille le Cameroun les américains viendront prendre ce qu'ils ont à prendre au Cameroun tant que nous allons continuer à expliquer aux gens ça fait 60 ans depuis les indépendances, qu'on explique aux Camerounais ce que fait la France, qu'est-ce qui a changé Rien du tout. Alors ce n'est pas en disant aujourd'hui que quelque chose va changer. Je dis aux gens qui viennent décortiquer, viennent nous expliquer le discours de Camto, on n'en a rien à foutre. Camto parle, nous écoutons. Le président élu, quand il parle, nous écoutons et nous comprenons ce qu'il veut dire. Ne venez plus nous expliquer son discours. Si vous voulez faire les discours sur la toile, dites aux Camerounais de sortir. C'est le seul discours qui tient aujourd'hui. Et c'est le seul discours qui va tenir. Demandez aux Camerounais de prendre leur responsabilité de sortir. Moi, Calibri, je ne sortirai jamais. Je ne partirai jamais marcher pour le Cameroun. Je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais vous dire ce que je vais faire. À partir d'aujourd'hui, moi, Calibri, la brigade anti-sadina, nous sommes mobilisés pour dire à BIA, tu ne viendras pas en Europe. Voilà notre travail. Et ça s'arrête là. Nous sommes mobilisés, je dis bien, nous, de la brigade anti-sadina, le travail que nous faisons aujourd'hui et que nous allons commencer à faire maintenant, c'est de dire à BIA et sa clique, nous allons vous nuire autant que nous pouvons dans la diaspora. Ça, c'est ce que nous pouvons faire. Marcher au Cameroun, ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas mon devoir. fais une rébellion au Cameroun. Et je vous dis, faites une rébellion au Cameroun. Je prendrai la route, mais clandestinement, je rentrerai au Cameroun, prendre les armes. S'il y a une rébellion au Cameroun, moi je rentrerai au Cameroun demain matin. Je vous jure que s'il y a une rébellion au Cameroun, je rentrerai au Cameroun demain matin. Mais ne m'appelez pas au Cameroun pour venir marcher. Je ne partirai jamais marcher au Cameroun. Jamais je ne partirai marcher au Cameroun. Bon, ceux qui disent là que Calibri rentre au Cameroun, viens marcher. Je ne viendrai jamais. Je vous le dis, oh, aujourd'hui. Bon, ça ne sert à rien de venir écrire là que rentre au Cameroun. Je ne partirai pas. Ce n'est pas mon rôle. Et je ne vais jamais vous laisser dormir dans ce truc que les gens m'ont dit qu'ils prendront les avions. Personne ne prendra l'avion. Ça fait six mois que les gens disent qu'ils prendront les avions. Je n'ai encore vu aucun avion qui a atterri au Cameroun. Le jour où je verrai deux, trois, quatre, cinq, six, six avions, peut-être je me déciderai à partir. Ne m'attendez pas pour marcher au Cameroun, je ne viendrai pas. Ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon rôle. Demandez-moi d'aller claquer bien à Genève, je partirai presto illico. Demandez-moi de nuit au voyage de Bia dans la diaspora, c'est ce que je ferai. Ça je vous le dis aujourd'hui. Beaucoup de gens m'appellent, Calibri oui on a peur, vous avez peur et vous, voulez que... vous croyez que moi je suis Superman vous croyez que Blanche-Neige est Superman Vous croyez que le caporal grillé est Superman Vous croyez que les soeurs Larissa comme les soeurs Lang sont des soeurs de Superman Nous n'avons pas des, des, des ailes sur nos épaules. Nous sommes des hommes comme vous. Nous n'avons pas mangé le fer. Nous sommes des hommes comme vous. Camerounais, prenez votre destin à main. Camerounais, levez-vous et indignez-vous. Vous allez parler de la France Depuis que vous parlez de la France, ça change quoi Ça a changé quoi Rien du tout. Venez nous expliquer avec un français très élevé. Oui, les Français sont des, des, des traîtres, les Français sont des Ceci, les Français sont... Et puis ça change quoi depuis 60 ans qu'on le parle Ça change quoi Ça n'a rien changé au Cameroun et ça ne changera jamais tant que le peuple camerounais ne prendra pas ses responsabilités. Ça ne changera pas. Vous parlez de la Chine aujourd'hui La plupart d'entre vous, 1500 personnes qui me suivent là, vous pensez que c'est Mao ce qui a changé euh, 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 la Chine Non. Mao Zedong n'a pas changé la Chine. Il ne l'a pas fait. C'est Deng qui a changé la Chine. C'est Deng Xiao qui a changé la Chine. Mao Zedong n'a pas changé la Chine. Au contraire, quand vous suivez les choses de Mao Zedong, la Chine ne s'est jamais développée avec Mao Zedong. Jamais ce n'est pas Mao qui a changé la Chine. Même si aujourd'hui son portrait trompe toujours à la place Tiananmen, ce n'est pas Mao Zedong qui a changé la Chine. C'est Deng Xiao. Et Deng Xiao avait même été chassé. Avant la mort de Mao, c'est tout. Il avait été chassé du Parti communiste. Mais c'est lui qui est venu. Et c'est lui, je crois c'est en 78 qui a montré à la Chine qu'il fallait s'ouvrir. Qui a montré à la Chine qu'il fallait se battre. Ce n'est pas Mao. Beaucoup de gens parlent de Mao, de Mao. Ce n'est pas Mao qui a changé la Chine. Ce n'est pas Mao. La Chine est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui parce qu'elle s'est imposée. Parce que DEN a imposé le respect de la Chine. Parce que DEN a montré aux Chinois qu'il fallait se battre. Et un peuple qui se bat, c'est un peuple qui obtient ce qu'il veut. Alors, vous, les Camerounais, si vous pensez seulement que c'est boire la tranchoir, c'est boire la musique, c'est boire, baiser qui vous intéresse, alors baisons, buvons, asseyons-nous et regardons Paul Biya gouverner pendant 50 ans. Regardons Paul Biya gouverner même après sa mort. Les Russes sont devenus puissants parce qu'ils se sont imposés. La France est devenue une puissance parce qu'elle s'est imposée. Elle n'est pas restée chialée, non. Elle est restée chercher comment est-ce qu'elle va faire pour s'imposer. Et nous, les Camerounais, on est devenus expliquer que la France elle est voleuse, que la France ce sont des bandits, que les États-Unis sont des bandits. Cherchons à savoir comment est-ce que nous allons faire pour couper cela. Qu'est-ce qu'on fait pour couper le cordon ombilical qui lie le Cameroun et la France? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà les vraies questions qu'il faut qu'on se pose. Voilà ce qu'il faut qu'on vienne dire aux Camerounais. On ne... ne venez plus me raconter que Camto a dit. Le président Camto a fait un discours. Il a dit que je comprends ce que le président Camto a dit. Je ne suis pas parti à l'école, mais il ne parlait pas en français compliqué. Je comprends ce qu'il dit. Ne venez plus nous expliquer. Arrêtez de venir nous dire qu'on va décortiquer. Le... Il n'y a rien à décortiquer. La seule chose qu'il faut décortiquer, c'est décortiquer les Camerounais, leur sortie de leur coquille. Sortons les Camerounais de, de, de leur coquille où ils sont ou de leurs coques. leur coque. Sortons-les de cette coque-là et demandons-les de prendre leurs responsabilités. Et vous aussi à la diaspora, vous avez une responsabilité à prendre. Et cette responsabilité déjà part à partir de vous. Prenez conscience aussi que vous devez couper les, les, les vivres. Couper les vivres à vos frères au Cameroun. C'est dur, c'est difficile, c'est vrai. Apprenez l'homme à pêcher que de donner le poisson à l'homme tous les jours. On a aussi notre part de responsabilité. Oui, on a notre part de responsabilité. Coupons les vivres à nos familles. Envoyons le stick minimum. Oui, envoyons juste le stick minimum quand il faut. Au moment où il faut. Réveillons ce peuple. On dit tous les jours les Camerounais sont à mort. Les Camerounais sont amorphes. Non, les Camerounais ne sont pas amorphes. C'est nous de la diaspora qui rendons les Camerounais amorphes. C'est nous de la diaspora qui rendons les Camerounais amorphes. Ce n'est pas deux personnes. Ce n'est pas Paul Bia qui rend les Camerounais amorphes. C'est nous de la diaspora. C'est vous, ces talibans. C'est vous, cette meute-là. C'est vous qui rendez vos frères au Cameroun amorphes. Et vous venez sur les réseaux sociaux tous les jours et écrire Paul va parti. Paul Biya va où? Quand ton frère... Ton frère de 18 ans, de 20 ans qui n'a pas de travail et que tu envoies de l'argent tout le temps. Tu veux qu'il sorte dans la rue comment? Comment veux-tu faire sortir ton frère dans la rue? Comment veux-tu faire sortir ton frère dans la rue quand tu es capable de l'envoyer 100 euros tous les mois? Deux fois le SMIC au Cameroun, comment tu veux qu'il sorte de la rue? Quand tu es capable de l'envoyer les derniers cris de Nike? Quand tu es capable de l'envoyer les habits tous les mois, comment tu veux qu'il sorte de la rue? Comment tu veux? Excusez-moi. Comment tu veux qu'il sorte? Comment C'est un travail qui doit se faire à double volet. Oui, nous devons contester et nous allons continuer la contestation de Bia. Nous allons continuer cette contestation. Oui. Bia ne mettra pas ses pieds, que ce soit Bia, son fantôme ou celui qui va le remplacer. Nous allons nuire à ces personnes-là dans la diaspora. Ça ne va pas s'arrêter. Découragement, là, ce n'est pas pour moi. Je ne vais jamais me décourager. Et aucun membre de la brigade anti-Sadina ne va jamais se décourager. Ça, Enlevez ça dans votre tête. Aucun membre de la brigade anti-Sadina ne va jamais se décourager. Jamais. Jamais nous n'allons pas nous décourager. Notre rôle et notre boulot dans la diaspora s'arrête à nuit les visites de ces gens-là. À nuit les prises en charge médicaux de ces gens-là. Voilà ce que nous allons faire. Mais si vous voulez changer le Cameroun, c'est à vous les Camerounais. Ne venez pas me parler de la France. La France a toujours pillé le Cameroun depuis 1960. Cela n'a rien changé. Pourquoi vous savez? Parce que nous sommes restés des bons commentateurs. Beaucoup ne sont plus de, de, Beaucoup ont laissé le combat aujourd'hui pour devenir des commentateurs. Venez vous expliquer comment on pille le Cameroun. Venez vous expliquer comment je sois aussi un bandit. Nous savons que je sois aussi un bandit. Vous n'avez plus besoin de nous expliquer. Nous savons que Cabral Libye n'est pas sérieux. Vous n'avez plus besoin de nous expliquer. Nous connaissons tout cela. Nous connaissons tout cela. J'attends de vous des propositions. Pour parler cette maladie. Proposez-nous aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire. Proposez-nous aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire. Comment est-ce qu'on fait pour couper le cordon ombilical Comment on fait Le Vietnam appartenait à la France. Le Vietnam apparaît à la, appartenait à la France. Chi Minh n'a jamais attendu. Venu décortiquer le, 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 le discours. Non. Il est rentré dans son pays et il a cherché à, à, à savoir comment couper le cordon ombilical avec la France. Ça a créé la guerre d'Indochine. Et les Vietnamiens ont gagné cette guerre. Ils ont gagné cette guerre. Les Américains sont venus. Ils ont gagné cette guerre. Parce qu'ils ne se sont jamais laissés faire. Ils n'ont jamais attendu aucun pays. Vous, vous qui attendez l'OIA, vous qui attendez l'Union euh, européenne, vous qui attendez les États-Unis, vous encore qui attendez la France, vous qui attendez la communauté internationale, vous pouvez dormir 200 ans parce qu'ils ne viendront jamais résoudre le problème du Cameroun à la place des Camerounais. Ils ne viendront jamais. Ils ne viendront jamais résoudre le problème du Cameroun à la place des Camerounais. Jamais, jamais, battez-vous vous-même. C'est à vous de vous battre. Ce n'est pas à deux personnes. C'est à vous de vous battre. Prenez l'exemple ailleurs. Ailleurs, ils n'ont pas attendu la communauté internationale. Vous savez ce qui s'est passé, passé en Birmanie avec les Ouïghous Vous le savez la communauté internationale a braillé, 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 braillé. Qu'est-ce qu'elle a fait Rien du tout. Rien du tout. Est-ce que le massacre des Ouïghours n'a pas continué Le massacre a bel et bien continué. Omar el Béchir, vous savez ce qu'il était Il était recherché. Il y avait un mandat d'arrêt international qui pesait sur sa tête. Vous savez combien d'années il a tenu C'est l'ONU qui est venu le chercher. C'est Interpol qui allait l'arrêter. C'est l'Union africaine qui l'a arrêté. Il voyageait partout en Afrique, non Il partait au Moyen-Orient et venait. Pourtant, il avait un mandat d'arrêt international qui pesait sur lui. Non, c'est son peuple qui l'a chassé. C'est son peuple qui l'a chassé. C'est son peuple qui l'a fait sortir. C'est son peuple qui l'a mis en prison. Ce n'est pas l'Union européenne. Ce n'est pas la communauté internationale, ce n'est non plus Interpol qui l'a arrêté. Ne venez pas me parler de la France. Ne venez pas me parler du rôle de la France. Est-ce que ce sont des bandits Oui, ce sont des bandits. Et je vous ai dit dans mon avant-dernier avant live, excusez-moi, je vous ai dit dans mon avant-dernier live, qu'il n'y a pas d'amitié entre États. Il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que les intérêts. Il n'y a que les intérêts. J'en parlais avec quelques responsables. Des, des partis politiques dernièrement, j'en parlais même encore avec quelques, quelques personnes dans la, dans la dans la diaspora. Je leur disais, écoutez, Macron a dit ce qu'il a dit, mais ça ne veut pas dire. Et je vous ai dit ça dans mon dernier, dans mon avant-dernier live, que si Bia lui donne un grand gisement de pétrole à, 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 je sais pas au nord ouest ou, ou je sais pas au nord, il va continuer à supporter euh, euh, l'opposition camerounaise ou bien il va nous attendre, il va nous tendre une oreille attentive. Non, il va privilégier les intérêts de son pays. Il a été élu d'abord pour privilégier les intérêts de son pays. Il a été élu entre autres pour privilégier les intérêts de son pays. Voilà pourquoi George Bush est capable d'aller détruire un pays. Voilà pourquoi Donald Trump est capable d'aller attaquer d'autres pays. Voilà pourquoi ils sont capables. Parce qu'ils protègent leurs intérêts. Allez essayer de toucher l'Irak. Aujourd'hui, vous avez touché les États-Unis. Essayez de toucher l'Irak aujourd'hui. Pour sauvegarder les puits de pétrole, vous avez touché les États-Unis. Essayez de toucher le Koweït. Qu'un pays qui, qui a les cornes sur la tête essaie de toucher le Koweït. Les Américains sont capables d'envoyer les, les soldats américains se faire tuer au Koweït. Pour protéger leurs propres intérêts, ils sont capables de sacrifier les, les soldats américains. Donc, Macron sauvegarde les intérêts des Français au Cameroun. Je ne parle particulièrement que du Cameroun. Il sauvegarde les intérêts des Français au Cameroun. Et c'est de son droit et c'est de son rôle. Mon rôle à moi, c'est de voir comment est-ce que je fais pour couper le cordon ombilical qui lie la France et mon pays, le Cameroun. Je ne suis pas venu, je ne dois pas être là pour décortiquer ça. Ça ne sert à rien de me décortiquer ça. Ça ne sert à rien de me dire qu'il le fait parce qu'il le fait parce qu'il le fait. Nous savons déjà qu'il vole les au Cameroun. On fait comment On fait comment Il y a une pandémie qui tue tout le monde entier. Qui tue tout le monde entier. Qui a paralysé l'économie du monde. Vous avez un président, même s'il était malade, même s'il était mort, le peuple camerounais avait le droit de savoir. Vous avez un président qui ne prend pas la peine de se lever, d'agresser ne serait-ce qu'un mot à son peuple. D'agresser ne serait-ce qu'un mot. À son peuple. Rien du tout. Le peuple réclame le président de fête de la République du Cameroun depuis plus d'un mois. Il ne dit absolument rien. Je vous ai dit ici, à semaine, même il y a trois semaines, même, je qu'il y a trois semaines, avant mon, mon avant-dernier live, quand on a arrêté Eric Golf, je vous ai dit que nous étions en train de travailler avec certains députés français qui mettaient la pression sur Emmanuel Macron. Je vous l'ai dit sur la situation du Cameroun. Je vous ai dit, mais vous savez ce que ces députés-là m'ont dit Vous voulez qu'on parle à l'Assemblée Ça fait combien de fois que nous parlons à l'Assemblée du problème du Cameroun Bien avant que vous ne soyez dans la rue, nous avons déjà dénoncé. Mais ça ne changera pas. Ce que nous faisons, c'est juste une goutte d'eau dans l'eau. Ça, ça ne changera rien. Il faut que le peuple camerounais nous donne des éléments. Et ces éléments-là. Ça ne peut venir que de la contestation populaire. Tant qu'il n'y aura pas une contestation populaire au Cameroun, nous ne pourrions rien faire. Rien du tout. Ces, 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 ces députés-là me l'ont dit. Tant que les Camerounais ne vont pas se lever, nous ne pourrons rien faire. Nous allons dénoncer à l'Assemblée nationale et ça va passer comme une lettre, comme une lettre à la poste. Ça ne va avoir aucun effet. Le président Macron m'a dit au salon de l'agriculture devant tout le monde, ce n'est pas à la France de venir parler à la place des Camerounais. C'est au peuple camerounais de se lever. Et c'est le même message que je comprends, que j'écoute à longueur de journée de ces députés-là. C'est au peuple camerounais. Tant que le peuple camerounais ne, pas, ne va pas se lever, ils ne feront absolument rien. Ils vont dénoncer. Oui, ils vont dénoncer. Et ça va s'arrêter là, la dénonciation. Ça va s'arrêter là. Ça va s'arrêter là. Camille aussi, la France est derrière tout ça. Ok, qu'est-ce que tu fais pour que la France ne, ne, ne soit pas derrière tout ça? Tu ne fais absolument rien du tout. Tu vas venir écrire dix mille fois, la France est derrière tout ça. Ça va changer quoi? Ça ne va changer rien du tout. Écrire un million de fois comme on nous faisait à l'école. Prends ton bic et ton cahier. Tu écris un million de fois, la France est derrière tout ça. Je verrai si ça va changer quelque chose. Écrire vous voulez couper le direct, coupez comme vous avez l'habitude. Écrivez un million de fois. Si vous voulez, mettez-vous, écrivez 10 milliards de fois. La France est complice. La France est complice. Ça ne changera rien du tout. Rien du tout. Levez-vous. Ça ne changera rien du tout. Rien du tout. Levez-vous. Levez-vous. Cela ne changera absolument rien du tout. Rien du tout. Alors je vous dis, mes frères camerounais, n'attendez jamais, n'attendez jamais aucun membre de la diaspora venir marcher à votre place. Aucun membre, n'attendez jamais aucun membre de la diaspora venir contester à votre place. Je vais vous prendre un petit exemple de la France. En ce moment de COVID, ils sont payés. Hein? Chaque enfant va recevoir 100 euros. Ici, ceux qui vivent en France, oubliez même le COVID. Ceux qui vivent en France mangent bien. Ils dorment bien. Ils mangent ce qu'ils veulent. Ceux qui sont en, en Allemagne, ils mangent bien. Ils dorment bien. Ils vont boire. Ils font ce qu'ils veulent. Ceux qui sont aux États-Unis, ils mangent bien. Ils dorment bien. Ils vivent bien. Ceux qui sont dans la diaspora en Occident vivent bien et très bien même. Alors croyez-moi, on ne peut que rester sur Facebook comme on dit, bavader, 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 bavader. Et on va rentrer tout à l'heure, on va faire un bon pain de nourriture, on va manger. Mais est-ce que toi au Cameroun, tu as la possibilité de manger comme moi Moi, je n'ai pas faim. Moi, Calibri, je n'ai pas faim comme toi, tu as faim. Mais toi, tu as faim. Toi, tu ne peux pas te soigner. Toi, tu ne peux pas envoyer ta maman à l'hôpital se faire soigner. Toi, tu ne peux rien avoir. Tu veux que moi qui mange, moi qui bois, moi qui dors bien, je me lève pour venir marcher à ta place qui a faim Tu veux que moi je me lève pour venir marcher à ta place C'est ce que tu veux Que moi, je mange bien, je dors bien, je suis malade et je me fais soigner gratuitement. Je n'ai aucun problème. Je me lève, je viens marcher à ta place. Toi, tu continues à dormir. C'est la sorcellerie, c'est la folie ou c'est quoi c'est la folie ou c'est quoi? C'est toi qui ne manges pas, c'est toi qui ne dors pas, c'est toi qui ne te soigne pas, c'est toi qui n'as pas de maison, c'est toi qui n'as pas d'eau, c'est toi qui n'as pas de courant. Mais tu veux que moi je vienne marcher à ta place? Moi, je porte mes pieds, je viens au Cameroun marcher à ta place. Ceux qui disent que venez marcher dans la diaspora, enlevez-moi dessus, enlevez mon nom dessus. Venez marcher au Cameroun, enlevez mon nom dessus. Je vous dis, oh, je ne viendrai pas marcher au Cameroun. Je ne viendrai jamais marcher au Cameroun. Jamais de la vie, ça ne passe même pas dans mes rêves. Je ne viendrai jamais marcher au Cameroun. En tout cas, je ne serai pas parmi ceux qui vont ouvrir la marche. Commencez à marcher. Je viendrai vous accompagner. Oui, dans ce cas, oui. Commencez à marcher, je viendrai vous accompagner. Mais n'attendez jamais. Je dis jamais, enlevez ça dans vos têtes. N'attendez jamais que Calibri, que Karim Richaud, qui souffre, qui se lève tous les jours, qui mange comme elle veut, qui dort comme elle veut, va se lever, venir s'indigner. À votre place, oui. Mais ne va pas se lever, venir marcher à votre place aussi. Non. Vous ne pouvez pas demander tout à quelqu'un. Vous ne pouvez pas tout demander à quelqu'un. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Tous les jours, on vous caresse au sens du poil. Non, ça va aller. Tant que vous n'allez pas vous lever, ça ne va pas aller. Est-ce que ça va m'empêcher de claquer Bia demain Ça ne va pas m'empêcher de claquer Bia. Ça, je peux vous garantir. Ça ne va pas m'empêcher de claquer Bia. Bia va faire de vous ce qu'il veut. Au Cameroun. Mais il ne pourra pas venir se faire soigner comme il veut. Comme il voulait. Il ne le fera pas. Bien ne mettra plus son pied en paix dans la diaspora. C'est faux. C'est mort. Nous allons veiller à cela. Mais ne nous demandez pas. Pardon. Ne nous demandez pas de venir marcher à votre place. C'est trop nous demander. C'est trop nous demander à la diaspora. Et cette diaspora-là qui vient tous les jours tous les jours vous dit comment telle a dit ceci comment il faut décortiquer ceci ce n'est plus de ça que nous avons besoin ce n'est plus de ça que nous avons besoin non nous n'avons plus besoin de ça nous avons besoin et je, et je dis encore à tous les membres de la diaspora toutes les personnes qui ont dit qu'elles peuvent faire un direct dites la vérité aux Camerounais est-ce que les Camerounais ne connaissent pas que la France pille le Cameroun en parlant de la France aujourd'hui, quel est le, le premier partenaire économique du Cameroun Ce n'est pas la France, c'est la Chine. Mais personne ne parle des Chinois. Personne ne vient vous te parler des Chinois, comment les Chinois font au Cameroun. Personne n'en parle. Quels sont ceux qui pillent le Cameroun aujourd'hui à ciel ouvert, à Mondo vision, C'est les Chinois, ce n'est pas les Français. C'est les Chinois qui pillent le Cameroun. Aujourd'hui, les Chinois sont en train de chasser nos frères. Regardez la situation désastreuse. Que vivent nos frères en Chine? Personne n'en parle. On ne vient pas décortiquer cela. Personne ne vient vous vous décrypter comment les Camerounais souffrent en Chine. On ne vient pas vous parler de la souffrance des Camerounais en Chine, mais on vient vous parler de la France, la superpuissance française qui pille le Cameroun. Oui, cette superpuissance française pille le Cameroun depuis 1960. Avant, elle pillait parce qu'elle était euh, 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 la tutelle. Depuis l'indépendance du Cameroun, elle pille encore. Elle pille au quotidien. Et on est là seulement pour parler. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pour empêcher cette France de piller mon pays Qu'est-ce qu'on fait Moi, je fais déjà à mon niveau, mes frères camerounais. Je conteste. Je conteste. Je manifeste dans les rues françaises. D'autres manifestent dans les rues de Berlin. D'autres manifestent à Washington. Nous manifestons. Nous manifestons où nous sommes pour dénoncer cela. Nous manifestons. Nous faisons ce que nous pouvons. Vous n'allez pas nous demander de faire cela, de prendre encore un vol, venir marcher au Cameroun. Vous n'allez pas nous demander ça. Ça, je vous dis non. Vous n'allez pas nous demander ça. En tout cas, moi, Calibri, ne comptez pas sur moi. Ne comptez pas sur la brigade anti-Sadina pour venir marcher au Cameroun. Ne comptez pas. Ne comptez pas sur nous pour venir marcher au Cameroun. Chaque Camerounais doit prendre son destin en main. Chaque Camerounais doit regarder son avenir et regarder l'avenir de ses enfants. Regardez l'avenir de vos enfants. Est-ce que ces enfants-là ont un avenir? S'ils ont un avenir, alors couchez-vous chez vous. S'ils ont un avenir, couchez-vous chez vous. Mais si vous pensez que ces, ces enfants-là n'ont pas d'avenir, que vous-même, vous, vous n'avez plus d'avenir et qu'il faut vous battre, alors levez-vous. Dénoncez ce régime. On vous demande. D'acheter les masques et de porter les masques. Est-ce qu'on vous a donné les masques Un masque coûte 500 francs. La Banque mondiale et le FMI disent que 80% des Camerounais vivent avec moins d'un dollar, c'est-à-dire moins de 500 francs par jour. Ça, c'est les chiffres de la Banque mondiale. 80% des Camerounais vivent avec moins d'un dollar par jour. 80%, c'est-à-dire 500 francs. Et on vous demande d'acheter chaque jour un masque qui coûte 500 francs. Quelle est la part que vous allez garder pour pouvoir manger? Il n'y en a pas. Mais vous préférez acheter le masque. J'ai même vu quelque chose de tellement incongru. Vous achetez le masque, vous mettez une fermeture. Quand vous voulez boire, vous ouvrez, vous buvez, vous fermez la fermeture. C'est ça. C'est ça le Camerounais. Et vous voulez que moi je vienne marcher pour vous. Vous voulez que moi je me lève. Je prends mon vol. Je viens marcher pour vous. Je n'ai pas peur de me faire arrêter. Je n'ai pas peur. Pour ceux, il y, a, il y en a qui ont dit calibré, je n'ai pas peur de me faire arrêter. Et beaucoup dans la diaspora n'ont pas peur de se faire arrêter. Mais je, je préfère me faire arrêter pour quelque chose de droit, de normal. Je préfère me faire arrêter pour quelque chose de droit, de normal. Vous m'avez vu plusieurs fois devant la police française, vous m'avez jamais vu trembler. Vous m'avez jamais vu me reculer. Vous m'avez jamais vu plier la queue parce que la police française m'a parlé ou bien parce qu'elle a menacé m'arrêter. Plusieurs fois, je leur ai dit, je n'ai pas peur. Je n'ai jamais eu peur. Je suis allé attaquer Nia Diffendi à Paris, au à Sénat. J'étais tout seul. Les autres se sont fait arrêter. Je suis resté tout seul. Je ne me suis pas découragé. Je suis resté tout seul. Je ne me suis pas fait décourager. Je ne me suis pas découragé autant pour moi. J'ai continué la mission. Je n'ai pas abandonné parce que j'étais seul. Bon, je n'ai pas peur. Je veux, je veux bien venir au Cameroun. Mais je ne viendrai pas marcher au Cameroun parce que vous, vous dormez chez vous. Il faut que moi, je vienne prendre la tête. Non. Chaque Camerounais est responsable de lui-même. Alors chaque Camerounais peut prendre la tête. Je m'agressais aux hommes politiques. Dans un pays, parfois on a besoin d'une locomotive. Monsieur Camto ne peut pas tout faire. Monsieur Camto à lui, seul ne peut pas tout faire. Il n'a pas un million de mains. Oui, il n'a pas un million de mains. Monsieur Zongan, qu'est-ce que vous faites Monsieur Albert Zongan, qu'est-ce que vous faites Maître Sim, qu'est-ce que vous faites Maître Michel Doki, qu'est-ce que vous faites Madame Sadio, Maître Alice, Kawala, qu'est-ce que vous faites Vous êtes conscient que ce peuple souffre vous êtes conscient que les Camerounais meurent tous les jours. Vous êtes conscient de la misère des Camerounais. Qu'est-ce que vous faites en tant que société civile Arrêtez de nous écrire sur Facebook. Vous savez, ça ne reste que sur Facebook. Je parle sur Facebook parce que j ai, j ai, je me dis que des gens peuvent m'écouter. Mais vous, de la société civile, vous qui êtes au Cameroun, vous ne devez pas utiliser Facebook. Parce que nous le savons aussi. Vous êtes en première ligne. Alors, c'est à vous d'imprimer cela. En tant qu'homme politique, en tant qu'homme de la société civile, c'est à vous. Ne venez plus nous écrire sur Facebook. Ne venez plus nous dire que bien est mauvais. Nous savons que bien est mauvais. Ce n'est pas aujourd'hui que les Camerounais savent que bien est mauvais. Ce n'est pas aujourd'hui que les Camerounais savent que Bia est nul. Ce n'est pas aujourd'hui que les Camerounais savent que Bia n'est pas un bon président. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est de la redondance. Ce que vous allez nous dire, on connaît que Bia est mauvais. Imprimantez cela. Imprimantez cela sur le terrain. Appelez les Camerounais, vous aussi, à la désobéissance civile. Appelez les Camerounais parce qu'il ne faut que ça. À défaut de prendre les armes, il ne faut que ça, la désobéissance civile. Appelez les Camerounais. Les Camerounais ont besoin de s'identifier à quelque chose, de s'identifier à certaines personnes. Vous êtes le porte-étendard. Il n'y a pas que Camto. Il a, il, il, ce n'est pas que lui. Vous êtes le porte-étendard. Et même au président élu. Maurice Camto, je vais demander au président et à lui d'aller plus loin. Oui, nous devons oser. Nous devons oser. Laurent Bagbo a osé. Ne l'oublions jamais. Il a été arrêté, là, il a été emprisonné et il ne sait jamais, jamais il n'a baissé les bras, il a osé. Et tant que nous n'allons pas oser, alors, taisons-nous à jamais et contemplons le, le, le royaume de Bia s'installer tranquillement au Cameroun. Parce qu'après Bia, ce serait Bia. Après Bia, ce serait Bia. Mes chers hommes politiques, osons. Osez aller au-delà de ça. Le pacifisme ne va jamais changer le Cameroun. Jamais. Que tout ce qui est là, qu'on va aller à étudier. Dans le pacifisme, vous vous trompez. Jamais le pacifisme ne va rien changer au Cameroun. Jamais. Tant qu'il n'y aura pas une insurrection au Cameroun, jamais le pacifisme ne changera rien au Cameroun. Rien du tout. Mandela n'a jamais été pacifique. Jamais. Bien qu'étant en prison, il était au courant de tout ce qui se passait. Et il a prouvé même certaines choses. Taboumbeki a été président, non est-ce que Taboumbeki n'a pas posé les, les bombes Taboumbeki n'a pas posé les bombes en, en République sud-africaine. Les sud-africains se sont battus pendant 27 ans. Ils se sont battus. Ils ne se sont pas indignés. Ils n'ont jamais décortiqué. Je dis bien, vous n'avez jamais vu les sud-africains vous dire, oui, euh, les Boers nous font comme ça. Ils nous font comme ça. Vous n'avez jamais vu les sud-africains le dire. En aucun moment Ils savaient déjà qu'il y avait l'apartheid Et ils se sont battus Pour que cet apartheid là disparaisse. Ils ne se sont jamais indignés. Ils ne sont, ils ne sont jamais venus Devenir des commentateurs Non, c'est le monde qui commentait Pas les sud-africains Laissez les commentaires au monde Le monde commentait Même les Camerounais commentaient Oui Sans fantôme qui était capable De chanter pour Mandela n'est pas capable de chanter pour les Camerounais. Pardon, excusez-moi. Je dis, je répète, Saint-Fantoma était capable, lui qui était au Cameroun, à des milliers de kilomètres de la République Sud-Africaine, était capable, a été capable de chanter pour Mandela, pour les Sud-Africains, de se lever contre l'apartheid. Il était capable, sans fantoma Mais en aucun moment, il n'a jamais été capable de chanter ne serait-ce que pour la paix. Il n'a jamais été capable de chanter pour la paix. Bon, j'étais en train de vous dire que c'est le, le monde entier qui commentait sur la situation des Sud-Africains. Mais vous n'avez jamais vu un Sud-Africain commenter sur sa propre situation parce qu'il savait comment il vivait. Il savait la galère. Il savait la terreur dans laquelle il vivait. La partie aux États-Unis. Vous avez vu un jour, euh, comment il s'appelle? Malcolm X venir commenter, venir décortiquer les discours des de, 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 de présidents? Avez-vous vu Malcolm X venir commenter ou venir décortiquer le discours des de, de présidents américains ou des politiques américains? Avez-vous vu Martin Luther King venir commenter? Les discours des présidents américains ou des hommes politiques américains, des blancs, s'il faut parler comme ça. Vous avez vu Malcolm X, vous avez vu, euh, 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 comment il s'appelle, Martin Luther King, venir décortiquer Non. Avez-vous vu Rosa Parks, venir décortiquer Venez vous dire que les blancs avaient dit que, non, elle ne l'a pas fait. Rosa Parks a dit, je ne me lève pas, je ne donne pas ma place. I am human being. Je ne me lève pas, je suis un homme, je suis un être humain. J'ai les mêmes droits que vous, alors je ne me lèverai pas. Elle n'a pas attendu 10 millions de personnes. Elle était seule. Femme sans défense. Elle a osé braver une loi. Elle a osé braver une loi. Elle ne sait pas... Indignée, elle, elle ne s'est pas repliée sur elle-même parce qu'elle n'était pas obligée de s'asseoir. Non. Parce qu'elle elle, étant noire, elle n'avait pas les voies. Elle s'est levée, elle a dit J'ai des voies. Martin Luther King a réuni plus d'un million d'hommes noirs dans les rues. Or, c'était interdit. Et il s'est levé au péril, au risque de sa vie, au péril de sa liberté. Il est sorti. Et il a mis les, êtres, les hommes noirs dans la rue. Ils se sont battus. Ils ne se sont pas indignés. Ils ne se sont pas apitoyés sur leur sort. Ils ne sont jamais restés là dit La France est en train de nous tuer. Non, ils se sont battus contre cette, cette, ces plans-là. Les noirs aujourd'hui votent aux États-Unis. Les noirs ont toutes les libertés qu'ils ont parce que les hommes se sont levés. Ils se sont battus. Ils n'ont pas chanté. Ils n'ont pas pleuré. Ils se sont battus. Alors, Camerounais, battez-vous. Battez-vous. Son Excellence Maurice Kamto, Lui, nous disons que vous n'avez pas dix mains. Aujourd'hui, vous êtes le leader de la diaspora. Vous êtes le leader du Cameroun. Vous êtes le porte-étendard du Cameroun, monsieur Maurice Kamto. Faites comme Mandela. Faites comme Mandela. Vous avez une voix. Elle est écoutée. Moi, je préfère qu'on dissout le MRC et que le Cameroun change. Je préfère qu'on dissout tous les partis politiques et que le Cameroun change. Monsieur Maurice Camto, vous êtes l'icône du Cameroun aujourd'hui. Vous n'appartenez plus au MRC. Que le MRC existe, que le MRC soit dissous, votre voix compte et votre voix porte haut le nom du Cameroun. Alors prenez vos responsabilités, vous aussi. Prenez vos responsabilités. Choisissez entre le peuple camerounais ou le MRC. Et je vous dis, Monsieur Maurice Kanto, que le MRC existe aujourd'hui. Atanga dit se lève aujourd'hui, il dissout le MRC, il ne va jamais dissoudre Maurice Kanto. Atanga dit se lève aujourd'hui, il prend Maurice Kanto, il remet en prison, il ne va jamais effacer l'aura et la légitimité de Maurice Kanto. Même du fond de votre cellule, Monsieur Maurice Kanto, vous allez continuer et nous allons vous écouter. Prenez aussi vos responsabilités. Dites aux Camerounais ce qu'il faut faire. Les Camerounais attendent un discours de vous. Et un discours chaud et poignant. C'est ça que nous attendons aussi de vous. C'est ça que nous attendons de vous, monsieur Maurice Kanto. Vous particulièrement. Nous attendons cela de vous. Alors, s'il vous plaît, ne venez pas me dire qu'on va dissoudre le MRC. Maurice Kanto, c'est le Cameroun. Ce n'est plus le MRC. Je le dis et je l'assume. Ceux qui viendront m'insulter, venez m'insulter. Je le dis et je l'assume. Aujourd'hui, si à l'élection, Maurice kanto décide d'aller dans n'importe quel parti, nous allons le suivre aveuglement. Alors Maurice kanto doit être au-dessus du parti MRC. Nous avons besoin d'un leader au Cameroun. Nous avons besoin d'un Nelson Mandela au Cameroun. Nous avons besoin d'un Malcolm X au Cameroun. Nous avons besoin d'un... Martin Luther King au Cameroun, la prison ne tue pas les hommes, la prison si les hommes, la prison rend encore plus fort et plus populaire. Comment il s'appelle Fait la purée de Mbanga, il est parti en prison, il n'était rien, il est sorti en prison comme un héros. La prison forge les héros. Oui, j'étais au Cameroun, aujourd'hui je serai en prison et je vous le dis. Allez demander encore, pour ceux qui croient, qui pensent un seul instant que Calibri a peur. Allez demander encore. Moi, au Cameroun, j'ai tapé les policiers devant tout le monde. Je n'ai jamais eu peur qu'on m'arrête. Moi, au Cameroun, j'ai tapé un gars de prisonnier avec un anti-gang devant tout le monde. Je n'ai jamais eu peur qu'on m'arrête. Je n'ai jamais eu peur de la prison. Jamais, en aucun moment. En aucun moment, moi, je n'ai jamais eu peur de la prison. Ça ne me fait pas peur. La mort même ne me fait pas peur. Ce n'est pas la prison qui va me faire peur. Moi, j'aurais été au Cameroun. Je serais déjà en prison. Je ne veux pas marcher, chanté que Paul est un mauvais, non. Je serais déjà en prison. Bon, je n'ai pas peur de la prison. Je n'ai pas peur de la prison. Monsieur, monsieur Maurice Canto, c'est bien, et c'est très bien, et j'approuve. Et je tontinerai encore. Je vais tontiner, tontiner jusqu'à la gare. Oui, mais les Camerounais n'ont pas besoin de ça. Les Camerounais n'ont pas besoin de ça. Les Camerounais ont besoin des actes forts. Les Camerounais ont besoin des décisions fortes de votre part aussi. Vous êtes, que vous le voulez ou pas, le leader du Cameroun. Que vous le voulez ou pas, vous avez la légitimité populaire au Cameroun et sans distinction de race ou d'ethnie. Vous êtes plus populaire que tous les hommes politiques camerounais réunis. Oui, monsieur Camto. Prenez vos responsabilités. Un homme politique, c'est aussi ça. Prenez vos responsabilités. Vous en avez déjà pris. Vous en avez déjà pris. Est-ce qu'on va baisser les bras? Est-ce qu'on va baisser les bras? Non. Il faut aller de l'avant. Quand on dit qu'on se bat pour un peuple, on se bat jusqu'à la gare. Che Guevara n'a pas abandonné à la première défaite. Non, il a continué. Il a continué jusqu'à la perte, jusqu'à la chute de la Havane. Il n'a pas baissé les bras. Alors, Monsieur Kanto, vous n'appartenez plus au MRC. Qu'on dissout le MRC aujourd'hui ou pas, les Camerounais vous aiment. Les Camerounais vous adorent. Et les Camerounais vous suivront où vous allez aller. Ils vont vous suivre. Soyez le Mandela Camerounais. Soyez le Martel Luther King Camerounais. Soyez le Malcolm Is Camerounais. Soyez comme vous êtes l'espoir des millions de Camerounais. Nous attendons de vous cet acte fort. Nous devons tous mouiller la chemise. Nous devons tous mouiller le maillot. Mais encore plus, le capitaine. Encore plus, le chef que vous êtes. Encore plus, le leader que vous êtes. Encore plus. L'homme providentiel que vous êtes. Vous savez, M. Kanto, vous êtes le pape du bois. Ce n'est pas moi qui l'a dit. Hein. C'est celui qui vous insulte aujourd'hui partout. C'est de lui qu'est venu ce mot, le pape du bois. Paul-Éric Kinger. Je n'aime pas le prononcer, c'est la première fois que je le prononce. Mais c'est lui qui vous a donné ce nom du pape du bois. Et Paul-Henri nous a dit que vous êtes mou. Je ne pense pas que vous êtes mou. Vous aimez juste le Cameroun. Et vous aimez la paix. Mais nous devons nous rendre à l'évidence. Vous devez vous rendre à l'évidence. Si vous aimez le Cameroun, avec un régime de piranhas que nous avons, prêt à tout dévorer sur leur passage, alors on ne peut pas faire la paix avec les piranhas. Quand on vous met dans une rivière de piranha, vous n'avez pas le choix. Vous sortez la maquette, ou vous sortez des bombes, ou vous sortez du poison pour tous les empoisonner. Parce que c'est où C'est eux ou vous. Dans une rivière de piranha, vous n'avez pas le choix. C'est soit les piranhas qui passent, soit c'est vous qui passez. Le peuple s'identifie à un homme, et cet homme, c'est vous, monsieur Maurice Camto. C'est vous. Vous ne pouvez pas nous dire que vous allez arriver à étudier, que vous allez changer le Cameroun dans la paix. Bien ne connaît pas la paix. Un président qui tue son propre peuple ne connaît pas la paix et ne connaîtra jamais la paix. Un président qui ignore la mort, la souffrance de ses propres militaires qui sont en train de sécuriser les frontières du Cameroun ne connaît pas la paix. Un président qui torture les Camerounais à longueur de journée. Mamadou Mota est torturé. Il n'est pas torturé dans la paix. La tortue, ce n'est pas la paix. Les prisonniers politiques du MRC sont torturés. Ils ne sont pas torturés dans la paix. BIA ne connaît pas la paix. Le régime BIA ne connaît pas la paix. Le régime BIA ne connaît pas ce que c'est que l'être humain. Tout ce qui les intéresse, c'est leur pouvoir. Et ils sont prêts, M. Kanto, à tout, et vous le savez aussi bien que nous. Ils sont prêts à tout, à tous les sacrifices, pour pouvoir conserver leur héritage. Moïse a dit œil pour œil, dent pour dent. Et il y a eu une expression française qui dit à la guerre comme à la guerre. Nous ne sommes pas Mamadou, euh, euh, Mohamed Gandhi. Nous ne sommes pas des Gandhi. Et même Gandhi, quand on va décortiquer ses messages, à un moment, il disait au peuple que le peuple peut se battre. Comment le peuple se bat C'est en se défendant. Le Camerounais même ne se bat pas et se défend. Changer le Cameroun, ce n'est pas nous battre, c'est nous défendre. Et face à l'oppresseur, même la constitution, vous êtes. Vous êtes un juge. Vous êtes un, un homme de, de bois, et vous savez que dans le bois, il est dit que face à un envahisseur, on a le droit de se protéger. Je ne vous demande pas, Monsieur Camto, de dire aux Camerounais de prendre les armes. C'est pas ce que je vous demande. Mais vous savez dessus qui est réservé. Et l'issue, la seule que nous devons prendre, c'est de suivre les Camerounais. Et les Camerounais doivent être où ils doivent être. C'est la rue M. Kamto. Ce pouvoir ne partira jamais. Tant qu'il n'y aura pas un soulèvement massif du peuple camerounais, le pouvoir de Biya ne va jamais vaciller. Vous savez. Nos aînés en 1991 ont compris cela. Et pour obtenir ce qu'ils voulaient, il a fallu que le peuple camerounais se mobilise comme un seul homme. Et cela est arrivé. Les villes mortes ont apporté quelque chose aux Camerounais. Monsieur Kamto. Nous attendons de vous la vraie solution. Vous avez porté plainte à l'OIA. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas le résultat. Ça fait bientôt, ça fera deux ans. Vous allez porter plainte quand vous avez demandé au président de l'Assemblée nationale de constater la vacance du pouvoir. Vous et moi, et tous les millions de Camerounais, nous savons qu'il ne va jamais constater la vacance du pouvoir. Mais constater la vacance du pouvoir serait son renvoi pur et simple à la maison. Il ne le fera pas. Parce que s'il était conscient de lui-même, il serait jamais rentré au Cameroun au péril de sa vie. S'il est rentré au Cameroun, c'est parce qu'il... Ils sont en train de signaler le direct. Mais j'ai passé le message que je voulais passer. J'appelle tous les membres de la diaspora. Tous les membres de la diaspora. Tous. Avant de faire ce direct, mon frère Nino m'a appelé. On peut être divergent, mais nous restons des frères. Mon frère Nino m'a appelé et je lui ai dit la même chose. J'appelle tous les membres de la diaspora. Et ayons un seul message. Disons la vérité aux Camerounais. Tous dans la rue. Tous dans la rue. Peu importe où vous êtes. Que vous soyez à Bamenda. Dites-moi un peu. Est-ce que les gens du nord-ouest et du sud-ouest, pour contester ce qui est arrivé chez eux, ont eu besoin de partir à Yaoundé Il n'y a pas les anglophones à Yaoundé. Il y a les anglophones à Yaoundé. Ils ne sont pas partis à Yaoundé. Alors arrêtons toujours de croire. Arrêtons de croire qu'il faut absolument être à la poste centrale à Yaoundé pour changer les choses. C'est faux et archi faux. Les villes mortes de 91 n'ont pas commencé à Yaoundé. Les villes mortes de 91 n'ont pas commencé à Yaoundé. À Bamenda, on peut commencer. À Bafoussam, on peut commencer. À Tchang, on peut commencer. À Douala, on peut commencer. À Komando on peut commencer. À Bertho, on peut commencer. À Baturi, à Bagante, à. Je sais pas. À Kousseri, on peut commencer. Les Tunisiens ne se sont pas défaits de Ben Ali à partir de Tunis. Non. Ça a commencé dans un village. À Sidi Boisi, ça n'a pas commencé à Tunis. Ce n'est pas parti de Tunis. Les Algériens n'ont pas commencé à, à, à Alger. Les frondeurs en Algérie, c'était des Kabyles. C'est parti de la Kabylie, mes frères. Alors de partout au Cameroun. Et Douala même, en réalité, Douala c'est le poumon du Cameroun. L'économie du Cameroun est à genoux. L'économie du Cameroun est à genoux. Asphyxier Douala, c'est tuer le régime satanique de Bia. Aujourd'hui, le pétrole s'est acheté complètement. Alors, les seules choses qui manquent au Cameroun, c'est quoi C'est le port. Et stratégiquement même, Douala, c'est le lieu où il faut commencer. Stratégiquement, mes frères, Douala, c'est où il faut commencer. Pas forcément à Yaoundé. De Douala dépend au moins deux États. La République centrafricaine et le Tchad. De Douala dépendent deux États, la République centrafricaine et le Tchad. Paralyser Douala, c'est paralyser Djamena. Paralyser Douala, c'est paralyser Bangui. Douala, à ce que beaucoup de gens pensent que c'est Yaoundé, mais Douala est plus fort. Douala est plus fort que Yaoundé. Douala est plus fort que Yaoundé. Oui. Si nous paralysons Douala, nous avons paralysé le Cameroun. Sachez que c'est de Douala, principalement de Douala, que tout part pour le Cameroun. Oui, on va me dire qu'il y a un port à Crébi, mais ce n'est pas encore équipé. Ça ne peut pas faire ce que Douala fait. C'est impossible. Et si on commence à Douala, je vous assure que le Cameroun prend le relais. Si ça commence à Douala, le Cameroun prend le relais. Mes frères, personne ne viendra changer le Cameroun à notre place. Personne. Aucun discours. Aucune organisation internationale ne viendra changer le Cameroun. Aucune. Aucune. Et ça, je peux, je, je vous le dis avec certitude. L'Union européenne ne viendra jamais changer le Cameroun. La France ne viendra jamais changer le Cameroun. Au contraire, la France viendra piller le Cameroun. Vous parlez de la France, vous laissez l'Union européenne. Vous croyez que l'Union européenne ne pille pas le Cameroun avec les contrats ACP où on importe tout en Europe et on ne paye pas la douane. Ou tout ce qu'on fabrique en Europe, on vient vendre au Cameroun. Et les, import, et les, 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 les exploitants agronomes du Cameroun font comment? Les agriculteurs camerounais font comment? Voilà aussi une forme de pillage. On empêche au Cameroun de se développer. Entre-temps, les fermiers européens déversent au Cameroun tout ce qu'ils ont. Tous ceux qui n'ont pas pu vendre en Europe, ils le vendent au Cameroun. C'est aussi ça, les ACP. C'est aussi ça, le bénéfice de l'Union européenne. Assurer la, assurer la vie et la pérennité des fermiers européens au détriment de ceux camerounais. Mes frères, il n'y a pas deux choses à dire dans la diaspora aujourd'hui. Le seul discours qu'il faut tenir c'est de dire aux Camerounais de se lever. C'est le seul discours. Calibri n'y arrivera pas tout seul. Stéphane Thumbo n'y arrivera pas tout seul. Max Seigneur Ivoire n'y arrivera pas tout seul. Rendons-nous à l'évidence. Peu importe le groupe, peu importe la personne, mais il faut que nous regardions la vérité en face. Et la seule vérité qu'il y a, c'est d'exciter le peuple camerounais à prendre son destin. Ce n'est pas la Chine qui viendra le faire. Au contraire, la Chine, si elle peut piller même tout le Cameroun, elle va le faire. La France, si elle peut tout prendre au Cameroun, elle va le faire sans vergogne. Elle va prendre tout. Sans vergogne. Les États-Unis, si on peut leur donner le golfe du Mexique, ils prendront. Et ils vont... Complètement ce foucle de qui est là, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est leur propre intérêt. Vous savez, selon la pression que nous avons mis, vous avez vu euh, avant que j'ai écrit, il prendra la parole. En réalité, le fantôme, le sosie, le Lazare ressuscité ou la momie de Bia devait parler aujourd'hui. En réalité, ce n'est pas l'ambassadeur de France qui allait parler demain. Je l'ai annoncé même avant, je l'ai vendredi. Non, je l'ai annoncé jeudi, autant pour moi. Bia devait parler, son fantôme, son sosie ou je ne sais quoi qui le remplace là-bas devait parler aujourd'hui. Ce n'est pas l'ambassadeur de France qui devait parler. Mais comme ce monsieur est incapable et ne peut pas parler aux Camerounais, il envoie son vrai patron. Ça me permet un peu d'embrayer de, de, sur quelque chose. Le 22 février, j'ai eu le privilège de m'entretenir avec le président Macron, qui a dit un certain nombre de choses. Et ce que le président Macron a dit, nous avons vu le tollé général que cela a créé au Cameroun. On a vu des marches de protestation partout. On a vu des marches de protestation partout. Oh, les Français ne vont pas diriger le Cameroun. Oh, les Français ne sont pas ceci. Ce n'est pas les Français qui vont dire au Cameroun c'est que le, le Bia est un homme libre. Bien un homme ceci. Bien un homme fort. C'est Bia qui est le président. Ce n'est pas Macron. Ils ont caricaturé Macron. Ils ont dessiné Macron sur tous les angles. Ils ont écrit des énormités. J'ai vu Vision 4. Dit que Macron était PD. J'ai écouté, j'ai vu des reportages sur Vision 4. Lui demander de s'occuper de sa grand-mère. Vision 4. J'ai entendu tout et n'importe quoi sur Macron ce jour. Il y a eu une marche deux jours plus tard pour dire aux Français, ne vous mêlez plus jamais des problèmes camerounais. Mais mon Dieu, j'aurais aimé voir encore ces mêmes personnes-là s'indigner. J'aurais aimé voir les mêmes personnes qui faisaient des directs à longueur de journée pour insulter la France, pour insulter Macron, s'indigner. Mais au concret, j'ai vu ces gens applaudir de mains. Paul Bia a reçu l'ambassadeur de France au Cameroun. Paul Bia est vivant. Paul Bia est tout Paul, Bia... Paul Bia a reçu l'ambassadeur de France au Cameroun. Mais ce n'est pas Paul Bia qui vient s'exprimer, c'est l'ambassadeur de France qui vient s'exprimer. Paul Bia est incapable de recevoir son ministre de la recherche internationale des chauves-souris. C'est l'ambassadeur camerounais qui va parler avec... C'est l'ambassadeur de France qui va parler avec le ministre de la recherche internationale des chauves-souris, des pangolins, des serpents et des animaux. Paul Bia est incapable de recevoir son propre ministre de la recherche international de cheveux souris et de pangolins, sans oublier les serpents. C'est l'ambassadeur de France qui va parler au ministre. Paul bien est incapable de recevoir son ministre de la Santé. C'est l'ambassadeur de France qui va parler avec le ministre de la Santé. Paul bien est incapable de recevoir son ministre premier des ministres qu'il a nommé en premier avant de nommer les autres. C'est l'ambassadeur de France. Qui va voir, qui va recevoir, qui va causer avec le Premier ministre? Et vous venez encore nous dire que le Cameroun, c'est un État souverain? Vous, les soi-disant patriocons là, vous venez encore nous dire que le Cameroun, c'est un pays souverain? Nous sommes face à un État souverain? Où l'ambassadeur de France viendra s'exprimer au Cameroun? Avant le soi-disant président du Cameroun, vous voulez encore constater quelle vacance du pouvoir Bon, voit bien. Admettons même que ce soit bien qui était là. voit bien, ça veut dire qu'il a exercé son pouvoir, il a exercé ses fonctions, il a fait quoi Quel est l'acte que bien a pris Je ne veux pas parler de signatures, décret, machin. Quel est l'acte verbal que bien a pris Tous les présidents du monde se sont exprimés. Tous les présidents du monde se sont exprimés. Quel est l'acte que Bia a fait de lui-même, de sa propre voix Mais la vacance du pouvoir peut être constatée. On n'a même pas besoin de voir le fantôme de Bia pour constater la vacance du pouvoir. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. On va encore me dire que le Cameroun, c'est un état de droit. On va encore me dire que le Cameroun, c'est un état souverain. Avec ce qui se passe là, et les gens vont venir me décortiquer l'histoire de la France. Il est prouvé aujourd'hui que la France, c'est le véritable patron du Cameroun. Il est prouvé aujourd'hui que Emmanuel Macron avait raison. Et je vous dis quelque chose. On a, n'a on peut-être pas compris. Emmanuel Macron dit à Mondo Vision, j'ai dit à Biya, je ne veux pas te voir à Lyon tant que tu n'est pas libéré. Écoutez bien le mot. J'ai dit à Bia, je ne veux pas te voir à Lyon. Je ne te reçois pas à Lyon tant que tu n'est pas libéré. Écoutez bien le mot. Je ne veux pas te voir. Tel un père qui s'adresse à son enfant, je ne veux pas te voir. Tel un maître qui s'adresse à son valet, je ne veux pas te voir. C'est un ordre, ce n'est pas une demande. Je me serais attendu qu'ils disent, non, j'ai dit à, à, à M. Bia. Euh, ce serait pas juste que lui et moi se voit à Lyon parce que voilà, il y a un opposant politique qui est opposant et ce serait pas juste. C'est encore plus clair. Il a dit Je ne veux pas te voir. Allez, suivre Je ne veux pas te voir à Lyon. Bon, ne tente même pas de mettre tes pieds à Lyon. Ne... Tu te apposes ton nez, je te dégomme. C'est ce que Macron a dit à Bia. Je ne veux pas te voir à Lyon. On a dit Wow, l'ingérence « Oh, le Cameroun est un État souverain !»« Oh, on, on, on ne peut pas prendre le Cameroun comme une province française !» Aujourd'hui alors, dites-moi, le Cameroun est quoi Un État souverain Alain-Jules Meunier, le grand journaliste, dis-moi, le Cameroun est quoi Quand Macron parle contre BIA, c'est l'ingérence. Quand Macron envoie son ambassadeur soutenir BIA, c'est tout à fait normal. Et c'est comme ça. Quand vous avez quelqu'un sur la toile... Qui dit « bien mauvais, bien mauvais ». Oh, c'est un taliban. Mais dès que la personne vient, <laughs> il dit « quand c'est un toto, quand c'est un chien, quand c'est un idiot dans la politique. » Oh non, c'est le meilleur stratège. C'est le meilleur analyste. Vous passez dans les lives avec lui, vous discutez, vous riez. Mais vous avez quelle personnalité Vous avez quelle personnalité Mes frères, vous avez quelle personnalité le Cameroun est-il encore un état de droit Le Cameroun est-il encore un état souverain Le Cameroun n'est plus un état souverain. Le Cameroun n'est plus un état souverain. Alors ne venez pas me... Comment je vais dire ça Ne venez pas me dire que vous allez me décortiquer les présences de l'ambassade, machin, machin. Demandons aux Camerounais de sortir. Et peuple camerounais, je vous demande d'être prêt. Soyez prêt. Psychologiquement, préparez-vous matériellement parce que nous allons prendre d'assaut les rues du Cameroun. À vous, à vous tous ces voleurs, oui, vous êtes des voleurs parce que la, le peuple, la nation vous a mis de côté. Prenez vos responsabilités. Voici ce qui va se passer. Dans quelques jours, vous allez. Voir et apparaître Lazare. Il viendra vous faire un discours. Il vous dira que le Cameroun va être en confinement ou qu'on ne veut plus voir des rassemblements. Tout simplement parce que selon eux, ils sont en train de chercher comment faire pour que le 20 mai ne se passe pas. Ou que le 20 mai se passe à minima. Bon, que la présence de Kamnogo ne soit pas effective au 20 mai. Raison pour laquelle. Ils ont prévu que l'école va reprendre au Cameroun en juin. C'est parce qu'on veut esquiver le 20 mai. C'est parce qu'on veut nous cacher certaines choses dans cette période-là. Alors prenez vos responsabilités. Nous, de la diaspora, nous sommes prêts à lancer des assauts au Cameroun. Nous sommes prêts. Nous en avons discuté, nous avons des hommes sur le terrain et nous vous demandons de suivre ces hommes-là, de suivre les mots d'ordre, parce que toute personne qui va aller à l'encontre, je dis toute personne qui ira à l'encontre du mot d'ordre de ville morte que la diaspora va lancer au Cameroun serait responsable de ce qui adviendra à ses biens. Dans quelques jours, nous allons nous coordonner et nous allons vous donner une date. Nous vous prions de bien vouloir respecter cette date-là. Nous allons vous demander de rester chez vous, de ne plus ouvrir les boutiques, de ne pas aller au marché. Parce que toutes les personnes qui iront à l'encontre, nous allons punir ces personnes-là. Croyez-moi, nous sommes en train de nous mobiliser. Beaucoup de Camerounais aujourd'hui sont prêts à se jeter dans cette bataille. Chaque quartier, chaque ville, chaque village doit défendre son territoire contre les oppresseurs de Yaoundé. Chaque quartier... Chaque ville doit faire respecter ces mots d'ogre de ville morte. Nous voulons changer le Cameroun. Nous voulons un nouveau Cameroun. Et ce nouveau Cameroun-là ne passera que par la désobéissance civile. Ce nouveau Cameroun-là ne passera que par l'insurrection populaire. Oui. Mes frères, préparons-nous nous-mêmes, avec nos moyens de bord, à changer le Cameroun. Ou alors, préparons-nous aussi, si nous ne voulons pas changer ce Cameroun, à croiser les bras. Mais je ne croiserai jamais les bras. Je ne laisserai jamais tomber. Je me battrai jusqu'à la gare, jusqu'à la Victoria Siempre. Hasta la Victoria Siempre, je me battrai. Je ne baisserai jamais les bras. Ce n'est pas parce que je parle en France que je suis à l'abri d'une poursuite judiciaire ou même d'une prison. C'est aussi ça mon combat. Me battre jusqu'à la gare. Mes frères camerounais, la libération du Camerounais n'appartient qu'à vous. À vous du 237. Et à personne d'autre. La diaspora camerounaise a fait ce qu'elle avait à faire. Ça fait des mois que je vous dis. Et nous ne pouvons plus rien faire de plus. Nous pouvons vous protéger. Nous pouvons vous apporter une assistance. Oui, je serai capable de me battre, de mobiliser les fonds avec des frères de la diaspora pour pouvoir vous apporter des, des, assis, des assistances. Mais je ne donnerai jamais un franc à un Camerounais qui ou se lève pour se battre. Jamais. Je me battrai contre tout l'ITI. Je me battrai contre tout demande d'argent pour payer les Camerounais pour se lever, parce qu'un homme qui est dans la souffrance n'a pas besoin d'être payé pour se lever. Les esclaves étaient battus à longueur de journée, mais ils n'ont jamais été payés pour se lever et réclamer haut et fort leur liberté. Non. Ils se sont révoltés. Un homme affamé se révolte. Il ne se fait pas payer. Toutes les personnes qui ont dans la tête ou qui demandent de l'argent aux gens pour payer les Camerounais pour se lever, je dis à ces personnes-là qu'ils sont des malhonnêtes. Aucun Camerounais ne doit se lever parce qu'on le paye. Je ne me fais pas payer. Tu ne te fais pas payer. Pourquoi tu trouves normal de payer quelqu'un au Cameroun pour qu'il se lève Lui qui ne mange pas, lui qui ne peut pas se soigner, lui qui n'a rien et tu viens le payer pour qu'il s'indigne. C'est ce genre de discours, c'est ce genre de paroles qui tuent ce combat. Je ne payerai jamais aucun Camerounais. Jamais, même un franc, je ne donnerai pas à un Camerounais pour qu'il se lève parce que je ne suis pas payé. Je le fais par conviction. Je le fais par amour de mon pays. Et je le fais surtout parce que je veux que mes enfants, mes petits-enfants puissent avoir un avenir meilleur que le mien. Alors mes frères, mes frères, levez-vous pour vous-même. Levez-vous pour le Cameroun. Et sachez qu'il n'y a pas deux endroits. C'est la rue. La rue et rien que la rue. Nous avons deux possibilités, bien sûr. Nous avons deux possibilités. La première, c'est de prendre les armes. La première, c'est de prendre les armes. Dans ce cas, il y a un mouvement qui prend les armes au Cameroun. Je rentrerai au Cameroun. Ça, je vous jure, la main sur le cœur. Je vous jure, la main sur le cœur. Oui, je rentrerai au Cameroun. J'entrerai dans le maquis. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit d'entrer dans le maquis. Il y a une rébellion au Cameroun. Donnez-moi trois mois. Trois mois même, c'est beaucoup. Trois mois, c'est beaucoup. Une rébellion éclate aujourd'hui au Cameroun. Juste le temps de me préparer. Un mois maxi, je serai au Cameroun. Et vous me verrez. Même, dans, même du fond de la bousse, vous allez me voir au Cameroun. Mais n'attendez pas que je vienne marcher avec vous. Je ne viendrai pas. Je vous encouragerai. Si cette marche-là fera un mois, nous allons nous mobiliser. Et nous serons capables de nous mobiliser dans la diaspora pour pouvoir vous apporter assistance. Oui, dans ce cas-là, on va vous nourrir parce que vous êtes dehors. Parce que vous avez déjà pris la rue. Nous allons vous soigner parce que vous avez déjà pris la rue. Mais je ne serai pas capable de soigner un Camerounais qui dort chez lui. Non. Je ne serai pas capable de donner à manger à un Camerounais qui dort chez lui. Non. À vous de la diaspora, je vous demande. Et la main sur le cœur, pour toutes les personnes de la diaspora qui pensent qu'il faut changer les choses au Cameroun, je vous demande vous aussi de commencer à changer. Envoyez de l'argent au Cameroun, mais n'envoyez que le strict minimum. Si c'est pour soigner maman, si c'est pour soigner un enfant, c'est tout à fait normal. Mais si c'est pour manger, je préfère envoyer peut-être à ma grand-mère parce qu'elle ne peut pas aller au champ. Mais je n'enverrai pas de l'argent à mon frère de 20 ans. Je n'enverrai pas de l'argent à mon frère de 40 ans. Je n'enverrai même pas de l'argent à mon frère de 50 ans, 55 ans qui est à la maison avec des enfants. Je n'enverrai même pas, même pas un radis. Et je vous prie de faire pareil. Déjà que je n'en vois même pas. Je vous prie de faire pareil. La révolution n'a jamais été pacifique. Une révolution par excellence, c'est la force. Ah oui. Une révolution, c'est la force. Je ne suis pas dans la résistance, je suis dans la révolution. Et même la résistance, les Français ont été des résistants face aux allemands, ils ont pris les armes. Les Français ont été dans la résistance. On appelait ça la résistance française, on appelait pas ça la révolution française en 1945. C'était la résistance, ils avaient des armes. Pourquoi pour la France C'est légitime d'avoir les armes pour résister contre l'oppresseur. Et pour nous les Camerounais, ce n'est pas légitime d'avoir les armes pour résister contre la dictature. Aucune dictature dans le monde ne s'est fait juste par des mots, juste en parlant, juste en expliquant. Non. Non. Alors mes frères, c'est à vous et rien qu'à vous. C'est vous qui avez le droit de couper le cordon ombilical qui lie la France et le Cameroun. C'est vous qui avez le droit de couper le cordon ombilical qui lie les Américains au Camerounais, qui lie l'Union Européenne au Camerounais, qui lie n'importe quel pays au Cameroun. La Chine est devenue indépendante. Parce que Deng a décidé que la Chine serait indépendante. La Chine est devenue une puissance économique. Parce que Deng a décidé que la Chine doit et va être une puissance économique. Je vais vous raconter l'histoire de Deng Xiaoping. C'était un membre très influent. Je crois que c'était le ministre de, 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 des Affaires étrangères, si j'ai bonne mémoire, de la Chine, de Mao. Alors, lui, il n'était pas trop pour le communisme. Il était un peu pour le capitalisme. Et ça lui a valu une déchéance. Mao l'a fait tomber. Quelques, quelques mois avant la mort de Mao, Mao l'a fait chasser du Parti communiste. On l'a tout pris. Mais quand Mao est décédé, on est allé le chercher. Et il est revenu prendre, lui qui avait été chassé, il est revenu prendre les rênes du parti communiste. C'est lui qui a donné à la Chine ce qu'elle est aujourd'hui. Il est décédé, je crois, en 1997, si j'ai bonne mémoire. C'est lui, c'est Deng qui a donné à la Chine ce qu'elle a aujourd'hui. L'ouverture sur le monde. C'est lui qui a transformé la Chine en atelier du monde. C'est Deng. Ce n'est pas Mao. Non. Certes, c'est Mao qui tourne partout, mais celui qui a donné la Chine ce qu'elle est aujourd'hui, la super puissance qu'elle a aujourd'hui, où tout le monde va plier les pieds, où tout le monde va demander pardon, c'est d'elle. Ouais. Et grâce à lui, les Chinois sont devenus aujourd'hui ce qu'ils sont, la force du monde. Grâce à lui, les Chinois sont devenus la force. Je suis Maurice Camton. Je ne suis pas MRC. Et des milliers de personnes parmi vous ne sont pas du MRC. Le MRC va passer. Maurice Camton ne passera jamais. Je vais vous faire une petite chanson. Le MRC va passer. Le MRC va passer, le MRC va passer, mais Maurice Camto ne passera pas, il va rester. Le MRC peut, on peut dissoudre le MRC aujourd'hui, mais on ne peut jamais dissoudre Maurice Camto. Jamais, jamais on ne peut dissoudre Maurice Camto. Je suis, je reste, je demeure et je serai avec Maurice Camto. J'appelle mon leader. Il ne m'a pas choisi. Il ne me connaît même pas. Mais j'ai choisi Maurice Camto comme mon leader. J'appelle mon leader à prendre des responsabilités qui sont les siennes. Disons la vérité aux Camerounais. Disons la vérité aux Camerounais. Ou alors taisons-nous à jamais. Taisons-nous à jamais. Monsieur Maurice Camto, Maître Ndoki, Monsieur Pendekoka, Monsieur Djamen, Monsieur Zonga, Sébastien Ebala était en prison. Sébastien Ebala était en prison. Il connaît ce que c'est que la prison. Il est sorti de prison. Il a continué. Il a continué son combat. Il a continué à dénoncer. Il a plusieurs fois été pourchassé. Il ne s'est pas découragé. Il a continué. Hier encore, il se savait menacé. Hier encore, il se savait traqué. Et il a dit aux Camerounais, n'ayez pas peur de moi. Je n'ai pas peur de mourir. Ils vont venir m'arrêter. Ils vont me torturer. Ils vont m'envoyer en prison. Mais ils ne vont jamais m'empêcher de parler. Aujourd'hui, il est torturé. Je vois des gens qui sont dans des états de bois, sans féliciter. C'est bien beau. Mais croyez-moi, nous allons vous faire rendre bientôt. À vous, ces hommes politiques-là, je vous demande de prendre vos responsabilités. Au-delà de la survie de vos partis, on peut dissoudre. Aujourd'hui, le parti le plus visé au Cameroun, c'est le MRC. Le MRC qui ne plaît pas. Au gouvernement, le MRC qui ne plaît pas à l'opposition, c'est le parti qu'il faut bannir. Mais croyez-moi, vous tuez le MRC aujourd'hui et que le professeur Maurice Camto décide de créer un parti ou pas, vous n'allez pas nous tuer, vous n'allez pas nous empêcher. Nous, les millions de Camerounais qui soutenons Maurice Camto, vous n'allez pas nous empêcher de le soutenir. Et c'est peut-être ce que vous oubliez. Maurice Canto, président Maurice Canto, menez-nous vers ce combat. Le peuple aujourd'hui s'est identifié à vous. Ce n'est pas l'Assemblée nationale qui va faire partie pour le BIA. Ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui va faire partie pour le BIA. C'est la force. Et vous le savez aussi bien que moi. Je suis prêt, M. Maurice Canto. Je me suis déjà mouillé. Vous, vous êtes mouillé. Ouais. Mais allons jusqu'au bout de ce combat tous ensemble. Osez. Osons. Osons encore plus. Les discours ne feront pas partie BIA. Quelle que soit la beauté de ce discours, ça ne fera pas partie BIA. Organiser des marches, c'est votre droit qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, organisez les marches. Et je ne suis plus pour une marche, juste pour la marche, mais je suis pour une marche de départ, une marche qui ne s'arrêtera pas, qui ne s'arrêtera que quand ce régime va tomber. Et à mes frères camerounais, je peux vous assurer que faire tomber ce régime, ce n'est pas deux jours, ce n'est pas deux mois. En une journée, en une journée, des millions de Camerounais se déversant dans les rues de Douala Yaoundé partout dans le Cameroun. Biapa. C'est inéluctable. La France ne va jamais empêcher les Camerounais de faire partie pour le Bia. C'est faux. La France ne va jamais empêcher les Camerounais de faire partie pour le bien. La France ne viendra jamais s'interposer entre euh, les manifestants camerounais et le palais de Toudi. Elle ne le fera pas. Elle ne le fera pas. Les Ivoiriens ont tenu tête à la France. Et je profite pour m'indigner de quelque chose quand je parle des Ivoiriens. J'ai vu les Camerounais. J'ai vu les Bensikineurs. J'ai vu les taximans garer les taxis, garer leurs motos pour discuter des problèmes ivoiriens. Dis comment la France est mauvaise. Les Camerounais qui étaient capables de détruire la France étaient au Cameroun à cause du problème ivoirien. Les Camerounais ont pris le problème des Ivoiriens, même plus que les Ivoiriens. Mais sont incapables de parler de Covid-38 qui est à côté d'eux. Combien de Benskiners parlent du Cameroun, de Bia? Combien? Oui, c'est bien beau de dire non, ça ne va pas, on n'a pas ci, on n'a pas ça, non. Les Ivoiriens se sont versés dans la rue. Et vous avez acheté, comme on dit, au Cameroun, le problème des Ivoiriens. Mais nous sommes incapables de parler de nos problèmes à nous-mêmes. C'est une honte. C'est une honte. Et les Ivoiriens disent toujours Camerounais très fort pour se mêler des paroles des autres. Mais jamais pour nous. Nous sommes forts de parler de ce qui se passe au Niger, de parler de ce qui se passe au Gabon, de parler de ce qui se passe au Nigeria. Mais nous sommes incapables de parler de nous-mêmes, de nos propres problèmes. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Tu as faim, tu as peur. Tu es incapable de te soigner, tu as peur. On vient prendre ton fils, on pas enfermer, tu as peur. Nous avons déjà vaincu la peur. Nous avons déjà vaincu la peur. C'est à vous. Et rien qu'à vous. Ce n'est pas Aïcha Céline de venir se battre au Cameroun. Elle se bat dans la diaspora. Quand il y a une marche de contestation, elle est obligée d'arrêter son travail à 14 heures. C'est déjà un manque à gagner. C'est les factures qui s'accumulent. Mais elle le fait tous les jours. Oko, okay, tu viens encore lui demander de venir marcher au Cameroun. Non, elle n'a pas faim. Elle mange comme elle veut. Elle dort comme elle veut. Elle se fait soigner quand elle veut, comme, il, comme elle veut. Elle n'a pas de souci que je vais payer combien. C'est toi qui manque de l'eau, de l'électricité. Oh, elle a encore coupé. Oh, il n'y a pas l'eau. Ne fais pas les vidéos où... Où l'eau est noire, tu m'envoies. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que je vais faire avec la vidéo Vous m'avez déjà envoyé des milliers de vidéos où l'eau coule. C'est noir comme moi là. Vous m'avez déjà vu poster ça Tu connais que l'eau que tu bois là n'est pas bonne. Tu ne veux pas te lever. Tu veux que moi je vienne pleurer à ta place Tu m'envoies. Je vais publier. Ça va changer quoi Depuis que nous publions là, ça a changé quoi La guerre du nozo, depuis que nous parlons, ça a changé quoi la seule chose qui fait peur à Bia et aux militaires, c'est parce que les Ambambos ont pris les armes. C'est la seule chose. Alors, où on prend les armes au Cameroun, où on choisit la rue, voilà les deux options. Je vous laisse faire votre choix. Mes frères, ayons tous un et un seul langage c'est la rue. La rue et rien que la rue. À tous les brigadiers, à tous les membres de la brigade anti-Sardina, à tous les combattants, à vous tous et non hommes je vous demande de n'envoyer au Cameroun que le script minimum. Et je vous demande de resserrer les rangs. Parce que dorénavant, nous, notre mission, et nous allons toujours la mener, c'est de faire en sorte que BIA, ne soit pas la bienvenue dans la diaspora. Monsieur Billa, si le cinéma que vous avez fait là, c'était pour décourager les membres de la brigade anti-sardina, décourager les Camerounais, et penser à un seul instant que vous allez pouvoir venir vous promener dans la diaspora comme avant, vous vous trompez. Parce que nous sommes encore plus déterminés qu'avant d'empêcher tous vos voyages. Je dis bien tous vos voyages. En bon entendeur, salut. Monsieur Sébastien Ebala, du fond de votre cellule, sachez que vous avez vos frères qui sont avec vous. Nous exigeons votre libération et nous allons obtenir votre libération. Je peux vous assurer. Oui, je peux vous assurer. Je ne dis pas ce que nous entreprenons. Nous avons déjà entrepris. La suite, vous saurez ce que nous avons fait. Les directs pour parler de X ou de Y, s'il vous plaît, faisons des directs pour dire aux Camerounais de sortir. Sortez de chez vous. Sortez-vous battre pour votre liberté. Sortez-vous battre pour assurer l'avenir de vos enfants, de vos petits-enfants et votre propre avenir. Moi, je fais mon travail. Et mon travail, c'est dans la diaspora. Ce n'est pas au Cameroun. Je ne viendrai au Cameroun que porter les armes. S'il faut porter les armes. Je ne viendrai au Cameroun que pour être dans le maquis. S'il faut qu'il y ait un, qu un maquis au Cameroun. Je ne viendrai jamais au Cameroun marcher. Jamais. Je ne viendrai jamais au Cameroun marcher. Jamais. Même si l'avion était gratuit, je ne prendrai pas cet avion. Et jamais je ne le ferai. C'est à vous de marcher. C'est à vous d'être dans les rues et par nous. Je suis. Je reste et je demeure Sébastien Ebala. Si vous avez un temps soit peu aimé Sébastien Ebala, je vous prie, faites-lui honneur aujourd'hui. Changez vos photos de profil en Sébastien Ebala. C'est aussi ça la solidarité. Demandez aussi la libération de Sébastien Ebala. C'est de changer, même ne serait-ce que pour 24 heures, sa photo de profil. Parce que moi, juste après ce direct, je deviendrai Sébastien Ebala. Ma photo de profil va changer aujourd'hui pour être Sébastien Ebala. Sébastien Ebala, ton combat ne s'arrête pas du fond de ta cellule. Ton combat continue. Moi aussi, ils peuvent me prendre, ils peuvent me tuer demain. Et je sais que mon combat va continuer. Ne vous découragez jamais parce que Calibri serait touché. Ne vous découragez jamais. Parce que euh, X ou Y va être touché. Non. C'est ça le combat. Mado Savannah a été touchée à Lyon. Mais elle ne s'est jamais découragée. Elle a toujours été dans la bataille. Elle a toujours été dans le combat. Et le combat a toujours continué. Alors c'est ça. Oui, nous sommes en guerre. Et en guerre, on perd les hommes. On n'abandonne pas le combat. On continue. Et nous allons continuer continuer jusqu'au bout. Moi, je suis dans ce combat jusqu'à la gare. Et mes frères, je vous demande d'avoir une prière pour euh, Mado Savana, qui se trouve encore aujourd'hui dans un état critique. Elle a rechuté. Elle est repartie à l'hôpital euh, hier dans la nuit. Je, je vais afficher ces photos aussi tout à l'heure. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La lutte, c'est au Cameroun, c'est au 237. Alors les stars de Facebook, nous les stars de Facebook, nous les bavardeurs de Facebook, soyons des stars au Cameroun. Et la seule façon d'être des stars au Cameroun, c'est juste de demander aux Camerounais de prendre leurs responsabilités et de leur dire la vérité. Parce que beaucoup pensent que la diaspora viendra faire les choses au Cameroun. Non, ce n'est pas la diaspora. C'est à eux. C'est à vous les Camerounais. À partir d'aujourd'hui, je suis concentré aux 237. Si vous ne me voyez pas, ce n'est pas que Calibri a disparu, c'est parce que Calibri cherche comment faire sortir ses frères au Cameroun. Ce n'est pas sur Facebook que ça va se faire, mais c'est dans les coulisses. Sur Facebook, nous allons juste relayer le message. Le vrai travail se fait dans les coulisses. Merci de m'avoir suivi. Bonne soirée. Nous sommes de Sébastien et Bala. Je vous invite, n'est-ce pas, à changer vos photos de profil. Merci et bonne journée. Avant de partir... N'oublions pas de demander chacun d'entre nous la libération des prisonniers politiques, y compris de Sébastien Ibala. Merci. Salut.